assez salement. Donc voilà, on est parti pour ce round 5. Les joueurs sont en train de se connecter. Au niveau des hello de la game, on est sur du entre 2000 et 5 et entre 2000 et 10 000 en gros, je pense, au niveau de l'eau face sheet. Et c'est parti avec le cut round. Je vous mets l'image de ce pas et ce sera bien sûr pour essayer d'aller chercher un meilleur seed dans l'arbre amateur. Pour l'instant, Ventry qui sont à une victoire et 3 défaites, je crois, et les 1, 2, 3 Zulei qui sont à 4 défaites. Avec du coup ce cut round qui va se jouer directement sur le A. Un cut round qui permettra de choisir le side. Beaucoup de dégâts, c'est bien fait là ici au niveau de ce sandwich, on l'a complètement pris en tenaille. Mais derrière, malheureusement, Kaki se retrouve tout seul. Il se fera découper en rondelles. Vendrick choisit son side, ils vont sûrement swapper. Voilà la logique. Et sur Mirage, on veut commencer sur le side CT. Même s'il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire en terreau, mais ouais, le side CT est plus facile à jouer globalement. Avec bien évidemment, je vous rappelle les enjeux de cette Itzalan, mais il y a 1 800 € de cash price distribués parmi les équipes. 1 000 € pour la première, 500 € pour la deuxième, 300 € la troisième. Et on remercie bien sûr les partenaires Scoopy Sport et Alten qui sont les partenaires principaux de l'événement. Avec bien sûr la ville de Rennes qui également sponsorise cet event. Ventry, 1, 2, 3, Zulei, ça commence maintenant avec du coup Mirage. Carte que vous allez voir assez anti-terroriste. Il y a des choses à faire avec une carte qui en général soit en 1-3-1, c'est-à-dire avec 3 joueurs au niveau du middle et 2 joueurs aux extrémités, en théorie en attaque bien sûr, soit au contraire on décide de jouer complètement sur les extrémités et de blesser le mid. Voilà, il y a pas mal de choses à faire sur Mirage, on va voir un petit peu ce que ça va donner pour du coup cette rencontre. Ventry contre 1-2-3 Zulei, le gun round commence, un gun round qui aura toute son importance. On va recommencer à engranger pas mal de rounds. Ça commence par du classique. 3-4 Kevlar, je pense pas qu'NQTS voilà, va prendre du stuff. Et on a 3 joueurs avec du stuff. Côté 1-2-3 Zulei, il nous prépare un petit setup des familles. Avec cette première smoke pour venir et bien bloquer la short et commencer à avancer. Elle est parfaite. Le setup smoke est bon. La window est bloquée. On en met une seconde. Par une accélération au niveau du connecteur. Ça va être encore qui va pouvoir faire mal ici sur un timing où il va traverser cette smoke. NQTS, il arrive à trouver une première tête. Et NQTS dans la tourmente, il a plus beaucoup de balles, il va se faire courir dessus par Taiko. Très joli pré-shot. 4 contre 4, on récupère cette USP, il va peut-être le payer assez cher, mais il arrive à s'en sortir. L'arrivée de Anchor dans le dos. Très joli cover de Anchor sur Kaki. 3v4, Nitox qui se fait décapiter, mais aura juste avant. Et bien le temps de prendre un ennemi avec lui. Taiko, les deux sont très low HP, une seule balle GSP va suffire. Et c'est du 1v1, c'est gagnant pour le chirurgien qui, et bien justement chirurgicalement, viendra loger une balle dans la tête de son adversaire. 1-0 pour les 1-2-3 Zulei. À 2 000 $ dans la poche des Ventry, ils ont fait tomber pas mal d'armes et ils décident d'économiser. On n'est pas sur une grosse map à sniper, mais il faut quand même de la thune pour acheter de la M4 et des rifles qui tiennent la route. 4 MAC 10, grosse course au niveau du BPB et au niveau de la défense, c'est un peu léger. Hein. Au niveau du BPB, ils sont déjà sur le site. Attention par contre à la rotate qui est très rapide. Déjà en place avec Juju FR, Kaki et le MAC 10 qui fait pour l'instant le travail sur cette belle gestion de spray. 2v4, la molo qui fait reculer encore. Oh, la tête de Fuji vient de s'envoler et s'est vengé avec Taiko. 2-0, 1-2-3 Zulei qui aura engrangé pas mal d'argent sur Kaki avec ce double kill en short. Les joueurs de Ventry qui ont pu s'armer en conséquence. 4M4, le FAMAS pour NQTS. Et les 1-2-3 Zulei qui se dirige tout droit vers un petit slow push du BPA. On a de quoi faire, il y a beaucoup de smoke, on est déjà 3 au niveau du palace. Taiko qui va préparer son équipement pour pouvoir avancer tout droit sur Opsi et Wide Poutine. Smoke stairs qui est placé. Et ils vont partir là, ils vont déclencher. Ils vont déclencher directement. Ah, la smoke qui a été ratée. Opsi, oh, le spray est très bon du côté d'Opsi. Opsi qui a un peu bugué sur la fin de ce round.
Et du coup ce sera du 2v3. On commence à reculer la bombe qui va être très très difficile à récupérer. Il a deux solutions, en vrai le chirurgien il aurait quasiment pu faire tout le tour, il aurait juste fait un duel à jouer contre le S. Le S. Le chirurgien qui perd son premier duel, NQTS continue à faire des bons dégâts. Il sera même allé très loin pour aller chercher ce dernier kill. Mais bon, ça passe. 2-1, Ventry qui, depuis qu'ils sont armés, tiennent bon. Et on le revoit, hein, ce spray de M4 qui a permis de gagner ce round. Deagle du côté de White Poutine. 3 M4, Infamas pour Ventry. 1-2-3 Zulay en économie de Deagle. Oh, attention à Nitox. Ok, Nitox qui réussit à faire tomber encore. Il y a Freezy qui, par contre, ça lui a coûté la vie ce move. Allez, beaucoup, beaucoup de duels individuels. Là, c'est pas le meilleur plan au Deagle. Faut réussir à trouver cette tête et c'est pas simple. Tycho, voilà, il suffit que je parlais. La Caster Curse Frippe, frappe encore. Nitox, 6 petits points de vie. Ça va être difficile avec un Deagle de tenir avec 6 PV. Il arrivera malgré tout à venir chercher NQTS. Ça rajoute de l'argent dans la besace, ça fait perdre de l'argent à l'équipe adverse. Une opération rudement bien menée du côté de Nitox. 2-2. Égalisation, on est armé. Pas de sniper toujours du côté de 1-2-3 Zulay qui aurait pu en acheter un avec Kaki qui avait largement les finances pour. Décider de jouer une fast au niveau de cette longue AB, ça a été mollo et la mollo va faire très mal. Opsi qui en fait un, Opsi à la réception et là Opsi. C'est le plaisir. Il va me repique à nouveau. Il a encore 15 balles. Opsi qui en fait 3, qui en fait 4 et qui décède. Encore qui terminera le boulot. On va le revoir ce quadruple kill du coup. Ah, sur cette molo hein, qui pousse les ennemis dehors. Il a pu se régaler bien sûr. Et derrière, il n'y a plus qu'à finaliser le travail. On n'est pas loin d'un full team. En vrai, si le spray transfert il part un peu plus à gauche, c'est la tête qui saute. One smoke une nouvelle fois de la part de Kaki. Ce middle qui va être gagné du côté d'un 2-3 Zulay. Ok, là dans cette situation là, encore il a totalement raison de pick, c'est vraiment une bonne initiative de sa part. Malheureusement il panique un peu entre les deux et les deux joueurs sont laissés en mode mort vivant. Ouais, heureusement il y a Juju pour venir terminer le travail. Mais voilà, on se régale. On se régale, la bombe va être récupérée. 1 contre 4 avec Kaki et son Deagle face à Juju. Ce sera un triple kill pour terminer le travail sur son adversaire. On va revoir rapidement le travail de Juju qui est venu terminer le travail. La WAP d'Encore. Un petit stack peut-être? Non, on reste sur la défense très classique avec un joueur mid, deux joueurs B et deux joueurs A. J'ai bien aimé la défense de Ventry où sur le deuxième round ils se stack. Au niveau du B, c'est assez malin. Je ne peux pas faire grand chose dans cette position. Encore qui trouve la revanche extrêmement rapide. Le problème c'est que ça c'est un trade kill qui accomplit pas grand chose au final. Ça donne une situation de 4 contre 4 à l'avantage de Pag. Enfin, deux personnes en vrai. Sur une rotation B, il pourrait quand même être avantagé, mais là. Là, entre guillemets, aussi, il a tout le temps de rotate ou non. Ils sont quand même dans le flou, hein. Ils sont quand même dans le flou. Freezy, il pourrait faire mal sur une petite décale palace des familles là. Les petits coups d'épaule, on essaye de reprendre l'information, et voilà. Il a à peine sorti son bras. Que le bras était déjà arraché, déjà par terre. Ça fait mal, ouf, la tête de Poutine ici qui va prendre de gros dégâts. C'est son vrai petit player. C'est Dazeden. Attends, Ventry. Yes, j'ai vu. Kana. Ok, c'est Kana. Halloween. Alors. Et encore, c'est soit Kana, soit Dazzy Sport, c'est Halloween. J'avoue que. Avec... Je sais pas trop.
Ah et là derrière, on va dire une fois sur deux, hein, il va jamais trahir, ça c'est Elwins. Elwins du coup qui récupère un beau travail là ici avec un triple kill, une petite AWAP en prime, et là on a un setup double sniper pour Ventry. Ça va être difficile de passer face à deux AWAP. Cela dit, Mirage c'est une carte où il y a quand même beaucoup de smoke qu'on peut mettre par-dessus la map et donc casser les lignes de sniper. Donc je pense que c'est totalement jouable pour 1, 2, 3 Zulay. Alors mettre des stuff par contre important et bien. Il est patient, la molle en anti-rush. Normalement, ça aurait peut-être dû être après le setup. On décide de setup quand même, mais la molo, voilà, a plus d'effet du tout. Waste un petit peu ce molotov au final. Et la flash est ok. Là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ils sont en place. Ventry qui annihile les 1, 2, 3 Zulay. Et forcément, là, c'est compliqué. On est un peu bloqué dans cette game. Peut-être que justement, la WAP achetée par le chirurgien va débloquer la situation. On aimerait bien, Taiko qui pour l'instant est le seul à sortir un petit peu la tête de l'eau de son équipe, hein, avec Obsidian à son actif. Côté Ventry, il y a des bons MVP quand même, avec Obsi d'un côté et encore on va l'appeler Kana de l'autre. Sauf c'est pas lui, c'est terrible. Mais... ouais, Kana, la décale large. Chirurgien avec son AWAP, il va repérer, et oui, on le voit dans cette smoke. Un œil de lynx. Et ça lui coûtera la vie. Il repique encore. On a failli avoir une brochette. Un point de vie pour encore. Cette grenade qui aurait pu lui être fatale. Même une flash pourrait lui être fatale à ce niveau de point de vie. C'est Freezy qui va prendre la responsabilité d'aller chercher cet homme, le HP. Il joue très très deep avec le scope en main. Forcément, il va avoir. S'il arrive à faire un kill là, c'est tout au bénéf. C'est tout bénéo. Et on va essayer de jouer un maximum la longue distance. Sachant que là, le moindre travers, la moindre poussière qui lui est fière à la tête, c'est un kill. Allez, Kaki. Le setup qui va être lancé. Kaki à la décale. L'arrivée de Kana, le sniper de Kana. On va voir si un PV ça suffit, un seul kill pour être très worse. Mais voilà, on s'accroupit bien pour Kaki. On va jouer avec le bas du palace. Pas naïf, Kaki. Là, on est amorcé. Un point de vie, ça va être trop dur pour retake. Faut vraiment qu'il aille économiser cette map. Surtout que son collègue est vraiment pas parti pour la jouer ce rune. Il y a des runes comme ça, il vaut mieux les laisser. Économiquement parlant, c'est beaucoup plus intéressant. Ils le font exprès, hein. Du coup, c'est les deux qui survivent que je sais pas vraiment qui c'est. Enfin, je pense que c'est entre, comme je vous ai dit, entre Kana. Et Elwins, c'est même sûr. Et les deux AWAP qui vont être conservés. Ventry. J'ai peut-être parlé un peu tôt, attention. La grenade, il fait pas grand chose. J'ai cru que c'était le mec à un PV. Et du coup, eh bien, 6 à 2. Côté Ventry. Regarde ce côté double sniper. Ça a l'air de marcher correctement. Vraiment être solide faire round sur virage au snipe parce que les lignes sont assez petites en général. Faut être assez réactif. On va voir justement est-ce qu'il s'en sort avec cet M4. Entre Zulay qui sont armés, ils ont mis quasiment tous les deux dans le même panier. Il y a que de quoi racheter encore une fois. Mais là, ce qu'il leur faut surtout, c'est un rune. Parce que bon, bah, c'est bien mignon de pouvoir acheter. Si on n'arrive pas à mettre les runes derrière, ça ne sert à rien. Et là, on a une équipe d'un, deux, trois Zulay. Ouais, la caméra automatique ne marche pas. UFR. Bien entendu, le score est fait. Ici, à base de petit jump, ça a été repéré, qui gagne son duel, ça fait du 4 contre 4. On va aller directement dans la window, mais c'est attendu, ça va être un peu compliqué. Une vitesse qui peut se retrouver dos à dos avec son adversaire. Ah, il a été un peu naïf là, ouais, et il a été un peu naïf. Sachant qu'en plus, derrière, ils sont méga loin les uns des autres. Il n'y a même pas de revenge possible. C'est vraiment une map, faut pas hésiter à jouer un peu groupé, un petit peu paquet.
Snipe, il peut pas faire grand chose là. Il est obligé de laisser péter. Je le vois pas de Ninja Diffuse, mais pourquoi pas. Avec une smoke, hein, peut-être. Mais hein. Là, il y en a pas. Ah, il veut juste prendre son kill et partir. Bah ouais. Bon, il le paye un peu cher. Il paye un peu cher sa gourmandise ici. Ah, et sachant qu'en plus, c'est vraiment la S du côté de ses collègues. Distribution générale de Deagle. Et ça va être un push au niveau de la longueur. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche sur ce rune. Cela dit, ils sont attendus par Kaki. Kaki qui en fait 1, qui en fait 2, qui en fait 3, qui en fait 4, s'il vous plaît. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas allée dessus, mais je suis allé manuellement hein, sur Kaki parce que sinon vous voyez que un des 4 kills. Même pas en fait, vous voyez rien. Ça a un peu bégayé. Ça a un petit peu bégayé. 6 à 5. Là, tout pourrait bien. Cette bataille d'AWAP avec encore face au chirurgien. Ah. Il joue tous les duels, le chirurgien qui va en une nouvelle fois eh bien, aller à petit avis. Ouais, c'est ok. Ouais, ça c'est pour l'équipe 23 Zuley. Ce sera du 3 contre 3. On a entendu mid. Ça va lui coûter très cher. Ah bon, il est tombé là, WAP de encore. Il repère Frenzy, mais il était entendu à son tour. Le Uncop peut-être. Oh, on l'avait annoncé. Le voici. Il vient de lui exploser le plexus solaire et d'utiliser ses tripes comme de condiments alimentaires. 2 contre 1, Kaki. Oh, il l'a pas cuté. Bon, alors après, c'est pas bien de cuter, mais bon. Là, c'était cadeau. C'est vraiment cadeau. Sachant que le cut ne fait pas de bruit quand vous le dégainez en marchant, je crois. Ah, je pense qu'il était safe. Ah. Encore qui va boiter jusqu'à la fin de son round. La WAP peut peut-être reculer ici, mais c'est vrai qu'il est très 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 sensible à une petite grenade. Et là, Terminado. Terminado. Ah, les flashs qui sont lancés. L'assaut est pas mal, hein, côté 1-2-3 du lay. Là, on est synchronisé, on prend ensemble. Une revenge, c'est ok. Maintenant, faut réussir à planter dans un endroit pas trop abîmé par les flammes. Ah, il est vu. Il est vu. Et on perd cette bombe. Ah non, c'est l'autre qui l'avait. Ah, il est mauvais. 4v1. C'est compliqué. On n'a pas la smoke stairs connector également qui va venir couper complètement ce round dans deux. Du coup, les intérêts sans trop de risque. 4 à 0, 8 à 5 pour le moment. Et un 2-3 Zuley qui va choisir d'acheter automatiquement. Après là ils peuvent acheter Ouais, ils peuvent acheter beaucoup. Avec Ventry, toujours ce sniper qui fonctionne bien. On fera un petit point scoreboard à la fin et de ce round. La flash est lancée, on essaye de tirer et de bloquer la défense autour de ce A. Mais on a une information middle. On va vouloir complètement encercler le mid avec notamment ces deux joueurs passés par en dessous. Bon, ils sont attendus. Hein. Pas sûr que ça donne grand chose. Un peu quand même. Hein. Ça fait mal. Le nightshot est envoyé en plus. De Ventry qui vont essayer de défendre à 3 le BPA tandis que la bombe est en train de se diriger vers le site opposé. Y'a quoi? Ils ont une crosse? Ouais, ils ont une crosse avec Opsi. Ça peut faire mal.
Alors ça, c'est une smoke qui atterrit au niveau de la Windows Parquet. Elle atterrit ici en gros. Et elle est pratique parce que déjà elle met du temps à tomber, donc on peut se préparer en fonction. Et ensuite, il y a des lignes marquées qui sont vraiment dures à défendre. Typiquement, vous voyez, le joueur est bloqué par là. Donc on a quand même pas mal de knowledge, hein. Côté 1, 2, 3, soleil, ça y a pas de problème, les smokes on les connaît. Ils ratent jamais la smoke, ils n'ont jamais raté la smoke au niveau de la window pour le moment. On est assez régus sur les snaps. Peut-être qu'on manque un peu de côté où on joue ensemble. Pour le moment, je trouve. La rasso était ok en push. C'est très dur de réussir à bien jouer ensemble. À bien se dire, hein, là je suis mal placé. Jamais m'aider si je me fais si je me fumer. Au moment où j'en parle, ils en ratent une. Ah, quoi que non, c'était Ventry. 1, 2, 3 soleil, ils en ratent jamais. Bon. On va aller récupérer cette. Ouais. Nitox s'en sort bien, il s'est mis full travers et finalement bah il était gagnant avec l'AK-47 forcément. C'est bien vu. Pas faire grand chose avec ça. Il reste un USP et un CZ pour essayer de reprendre le contrôle de ce site. Autant dire que Nelly. C'est pareil là. Là en vrai c'est écho. Hein. Ah! On va peut-être se faire mentir, on récupère deux armes. Ah! Double mensonge! Triple mensonge! Attention avec la smoke! Ah oui, mais il l'a lancé trop tôt! Ah, c'est terrible! Heureusement, la casse est. C'est pas si simple à cette distance pour lui. Et donc, 9 à 6! Les Ventry qui réussissent sur cette Ninja Diffuse fatale à prendre quand même 3 rounds d'avance, ce qui est pas dégueu en antiterrorisme, mais ce qui est largement, largement rattrapable. Il y a des équipes qui arrivent très très bien à attaquer Mirage. D'autres beaucoup moins. Ouais, la CPL qui, c'est vrai, est vraiment très 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 fort. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va être fait du côté justement de cette équipe qui est Venky avec 3 smokes qui sont préparés. On va complètement bloquer l'arrivée. Renfort. Je sais pas si elle est bien cette photo. En tout cas, elle fait pas de. Ah. 5 PSP pour tenir sur ce pistolet. Alors, on est avec le push du côté Ventry. C'est JujuFR qui trouvera les hostilités pour son équipe orange. Juju pour l'instant qui est très solide. Ça va être Hero qui tient bien. 3v4 et sur le pistolet on sait qu'ils sont capables de faire de bonnes choses. Il y a un kit également du côté de Freezy pour l'instant bloqué dans cette jungle. Et donc on peut quand même aller chercher un route. C'est pas terminé. 3v4. Ah bon, qui est sur le point d'exploser, il reste pas énormément de temps. Oh là là là, ce qu'il a mis. Oh, il les a mangés. Ah, ça se fait pas. Il l'avait au couteau et il lui a piqué sa proie. Bon, c'est pas très respectueux de leur part, mais ça rapporte quand même. Allez, 4 Mac10 ici. Anchor qui partira également sur le choix du roi, le Mac10. Choix de la course à pied. 250 pour Nitox, 4 USP pour récupérer. Ok, Ventry, ils sont bien placés pour le site B là. La flash est bonne. Bon, il a sauté un peu tôt, mais au final, la flash est quand même bonne. C'est un round de. Et très bien ici, on risque de perdre le Mac10. On décide de reculer, on prend pas de risque, il a bien raison. Très 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 bonne décision de avoir pas le canard hein, du coup.
Le ton est apparemment censuré, donc Kana. Il reste encore le chirurgien, Taiko et Kaki. Taiko viendra se farcir le crâne de Psy, il est attendu, c'est de l'argent bonus pour Encore. J'ai cassé la bombe pas bien et ce sera un round bonus avec Encore qui va courir dans les bras du chirurgien et de Kaki. Il était attendu hein. Il était attendu, il s'est fait fumer. L'écart se creuse. L'écart se creuse. 1, 2, 3, Zulei qui s'éloigne de plus en plus de sa première victoire. Mais ils peuvent le faire, hein, je pense, d'un point de vue Amy, ils s'en sortent pas mal. D'un point de vue. C'est plus ils se revenge peut-être pas assez. C'est pas. C'est assez difficile à regarder en une game. Par. Cité. Mais attendu par Nitox. Nitox en fait un. Danger instantanément derrière. 4 contre 4, on n'a pas l'équipement pour venir à Ritech. On a un peu raté côté Juju. Attention au chirurgien quand même, on a récupéré ce Mac 10. Il a que 8 PV, faut le donner à Freezy hein. Faut le donner à Freezy. Il y en a un, la grenade est bloquée. Il est complètement bloqué par ce mollo parce que bah, s'il y va, il meurt. Alors, attention, ça se propage. J'ai très peur. J'ai très très peur qu'il se soit mis trop près. 3v1. Et 12 à 6 du coup. Ventry qui enchaîne. Un droit à Zulei qui va devoir sortir l'artillerie lourde pour encaisser les assauts des Ventry. Et c'est parti. AWAP 4M4.